Bonsoir et merci d'être avec nous. On regarde les précipitations en 24 heures. Les plus gros cumuls concernent les 6 dernières heures avec 48 mm relevés pour Mascarin-Colimaçon, 10 mm pour trois bassins, jusqu'à 11 mm à Sillaos ou encore 13 ici pour la région de Grand Coude. Alors nous sommes en vigilance orage pour les régions situées entre la Possession et le Tremblay, y compris le Tampon, les hauteurs du Mac, donc quelques coups de tonnerre. On a eu d'ailleurs cet après-midi des impacts de foudre vers la région des Macs et de l'autre côté, des averses encore cette nuit, on aura l'occasion d'en reparler. L'atmosphère est humide, instable. On regarde ce qui se passe autour de chez nous, avec dans le canal du Mozambique, donc vous voyez Héloïse qui est en train de se déliter, et puis dans un environnement un peu plus proche, des nuages qui circulent dans ce flux d'alizé de secteur est-sud-est avec une masère humide instable qui va nous donner donc ces orages cette nuit. Mais rassurez-vous, demain matin, le ciel sera clément sur l'ensemble des régions avec des nuages élevés qui vont freiner le développement diurne. On aura néanmoins quelques entrées maritimes essentiellement sur le littoral est. Pour le vent, il se maintient 50 km/h en rafale, essentiellement pour le port, la Possession ou encore dans le sud sauvage vers Saint-Philippe. La mer est agitée au secteur exposé et au déferlement d'une petite houle de secteur sud-sud-ouest. Demain après-midi, les nuages vont bourgeonner. L'intérieur va être complètement bâché. On aura droit à quelques ondées sur la région du volcan ou encore ici vers la plaine des Cafres. Et puis un débordement prévu sur les régions de bord de mer de Saint-Paul. Ailleurs, vous le voyez, sur la frange côtière de l'est, du sud et du sud-ouest, il fait beau, on en profite. Les températures sont encore chaudes, même si elles auront tendance à baisser très légèrement. Pour les minis, entre 15 et 18 degrés dans les cirques, 13 degrés pour le secteur de la plaine des Cafres et jusqu'à 24 degrés pour Saint-Denis. Les maxis, elles, vont augmenter également avec 32 degrés prévus pour le port, 31 pour le chef-lieu ou encore dans le sud et jusqu'à 27 degrés au cœur des cirques. Je vous retrouve juste après votre journal télévisé.